les cousettes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto couture vidéo. Au programme du jour, coudre la trousse ébène. C'est la trousse assortie au sac qui va vous permettre de créer une très jolie collection. Je vais vous guider en pas à pas et je vais vous expliquer toutes les étapes pour réussir votre trousse à coup sûr. Ce tuto vous guide en pas à pas pour coudre le modèle dans sa version de base, dans la taille de votre choix. Moi, je vais coudre la taille 2, mais bien évidemment, si vous voulez coudre une autre taille, les marges de couture sont inchangées. Je vous invite quand même, dans la préparation de vos pièces, à vérifier la taille de la fermeture et du passepoil, car si vous faites une autre taille, elle ne va pas correspondre à ce que je vais réaliser à l'écran. Je me ravis de passer ce petit moment couture en votre compagnie, et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour la trousse ébène. Je vous invite à imprimer votre patron, pour cela ouvrez le document avec Adobe Writer et on va pour l'instant imprimer la première page. Donc moi c'est la page 1, mais chez vous c'est pas forcément la page 1, il faut sélectionner la bonne page. Dans les paramètres d'impression, vous devez impérativement choisir taille réelle et l'orientation auto. Une fois que vous avez imprimé votre première page, vous devez obtenir ceci. Donc, vous voyez, vous avez le titre et la taille du document, mais surtout, vous avez un grand carré gris sur tout le tour de la pièce. Vérifiez qu'il est entier, c'est très important. Et ensuite, à l'aide d'une règle, je vous invite à mesurer le carré test. Il doit faire 5 cm par 5 cm. Si vous n'avez pas la bonne taille, ça ne va pas aller car les marges de couture seront erronées. Maintenant, je vais vous montrer une impression qui est d'un mauvais format. Là, j'ai choisi le format paysage. Vous voyez que je n'ai pas le trait continu autour de la première page, ce qui me fait dire qu'il va me manquer des parties des pièces. Donc vraiment, vous devez obtenir comme la partie à droite, avec le carré sur tout le tour. Si vous rencontrez des problèmes d'impression, changez le format. Passez en auto, portrait, paysage, et imprimez jusqu'à obtenir le bon format. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc vous voyez, à la deuxième page, vous avez le plan d'assemblage qui vous montre les pièces. Donc on va reconstituer ensemble la pièce d'épée, qui est sur la page 4 et 5. Donc voici, j'ai la page 4, vous voyez c'est écrit en plus clair, et la page 5. Donc j'ai ma pièce à reconstituer au niveau du repère C. Pour cela, je vais me munir d'une paire de ciseaux à papier et je vais découper le bord sur le cadre gris, ce qui va me permettre de reconstituer parfaitement ma pièce. Et là, je vais mettre du scotch. Je vous invite à reconstituer toutes les pièces du patron en suivant les mêmes étapes, puis à réaliser les découpes des différents tissus en vous reportant au plan de coupe inclus dans votre patron PDF. Je vous invite à entoiler les pièces suivantes. H2, D, D1, D2, D3 et DPP en suivant les indications du patron PDF. Pour ce qui est des pièces de languette LH, LB et du fond de trousse F, nous allons entoiler ces pièces ensemble. Nous allons entoiler ensemble la languette LB, qui correspond à la languette de bas de trousse, avec sa pièce d'entoilage, donc LB'. Je vais placer la pièce LB côté envers face à moi, et je vais venir, à l'aide d'un crayon textile ou d'un crayon papier, reporter le repère de pliure. Donc, vous pouvez choisir de tracer juste les côtés du repère ou de le tracer entièrement, cela n'aura pas d'impact. Essayez d'être précis, parce que moi j'ai filmé en même temps, donc je regardais dans la vidéo et pas vraiment mes pièces. Donc pareil au niveau de la pièce d'entoilage, je vais venir reporter le repère de pliure. Ces deux repères vont m'aider à placer les pièces l'une sur l'autre. Je positionne ma pièce de languette, toujours face envers, face à moi, et je viens mettre la pièce d'entoilage. Donc je repère bien la colle, vous avez vu, elle est brillante, et c'est cette partie qui doit se trouver contre le tissu. Avant d'entoiler, je vais venir vérifier avec une règle que j'ai bien positionné ma pièce, c'est-à-dire que je dois avoir à peu près 1 cm de marge de couture sur tout le tour de la pièce d'entoilage. On n'est pas à 2 mm près, mais prenez votre temps. Mieux d'être quand même précis, ça va vous faciliter la phase de couture par la suite. Donc je viens thermocoller à l'aide de ma presse ou d'un fer à repasser chaud mais sans vapeur, ça c'est important comme détail. Voilà, ma pièce est prête, elle est entoilée. Vous allez maintenant entoiler les pièces restantes de la même manière. Donc vous avez la pièce de fond de trousse F à entoiler avec la pièce F'.
Et il y a aussi les deux pièces de languette de haute trousse, donc LH à entoiler avec LH'. Donc vous suivez exactement les mêmes étapes pour entoiler ces pièces en autonomie ou en suivant les explications du patron. Nous allons préparer la fermeture de haute trousse. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de votre fermeture. J'ai choisi une fermeture au mètre que j'ai choisie volontairement plus longue pour vous montrer comment rétrécir une fermeture si vous utilisez une fermeture séparable ou non séparable plus grande que nécessaire. Donc là, je travaille sur la taille 2. Donc je viens sur le ruban de la fermeture reporter la taille nécessaire. Donc c'est 25 cm, mais si vous réaliser une autre taille de trousse, je vous invite à vérifier la mesure. Donc je marque mon repère, d'accord, à 25 cm de chaque côté du ruban. Ça se voit pas très bien, je suis désolée sur cette vidéo parce que j'ai choisi un stylo rose sur un ruban de fermeture noir. Mais c'est exactement la marche à suivre. Vous pouvez utiliser soit un crayon papier ou un crayon textile que l'on voit, c'est mieux quand même. Je viens ensuite fermer l'extrémité de la fermeture, la partie ouverte, à l'aide d'une pince. Et à cette étape, en fait, je vais venir réaliser une couture au point droit sur mon repère. Donc c'est pas exactement comme sur le patron, mais ce repère, en fait, va être plus visible. Parce que sur le patron, je coupe sur le repère et je ferme à 0,5 cm du bord. Mais c'est exactement la même chose, hein. Donc là, je couds sur le repère pour fermer la fermeture. Et j'ai fait exprès de prendre un fil blanc pour que vous puissiez bien le voir. J'utilise aussi un pied avec un rouleau. Ça m'aide à passer l'épaisseur de la maille. Surtout, si vous utilisez une fermeture un peu épaisse, pensez vraiment à ralentir quand vous passez sur les dents du zip. Et également, utilisez une aiguille un peu plus épaisse et allongez votre point. Je vais maintenant venir couper l'excédent de fermeture avec une paire de ciseaux. Donc surtout n'utilisez pas votre paire de ciseaux pour tissu, vous allez les abîmer. Donc je me retrouve avec ma fermeture qui mesure la bonne taille, d'accord? Et je vais venir prendre les pièces de bout de zip. Et je vais venir en aligner une première, donc sur l'endroit de la fermeture, en alignant le bord de la pièce sur la couture que je viens de réaliser qui me sert de repère. Donc je fais ça d'un côté et je vais faire exactement la même chose sur l'autre extrémité de la fermeture. Donc important, vérifiez le sens du motif. Si votre tissu comporte un sens de motif à respecter, surtout mettez-les dans le même sens sur les deux pièces, sinon ça risque de faire une trousse un petit peu spéciale. Donc je place des pinces, voyez, donc il faut prendre votre temps vraiment pour bien tout aligner. J'ai déplacé bien évidemment le curseur pour qu'il ne me gêne pas. Et à cette étape maintenant, je vais venir réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord de chaque pièce. Je me place sous la machine à coudre, j'ai toujours mon pied à roulette, et je vais venir aligner le pied au bord de la pièce BZ, d'accord, au bord extérieur, et je vais venir coudre au point droit, donc à 0,5 cm du bord. C'est une couture de maintien, elle va disparaître par la suite, et vous avez vu, j'ai mis une petite cale pour venir m'aider à monter l'épaisseur. Prenez votre temps pour cette couture, le but est d'avoir quelque chose d'assez régulier. Donc je viens couper mon fil, et je fais la même chose sur l'autre pièce, bien évidemment. Ensuite, je place la fermeture sur l'envers, donc le curseur se trouve contre la table, et je vais venir rajouter les deux pièces BZ restantes. Donc vous avez vu, j'aligne le bord de la pièce au niveau du repère de la couture que j'avais réalisée précédemment, qui correspond au bord de la fermeture. Le but ici est de venir prendre l'extrémité de la fermeture en sandwich entre la pièce BZ qui est déjà assemblée et la nouvelle. Donc je vous montre, on fait la même chose exactement de l'autre côté. Donc si vous avez un petit décalage comme moi, pas de panique, c'est pas grave du tout. Mais alignez bien les deux pièces l'une sur l'autre pour prendre l'extrémité de la fermeture en sandwich. On va placer des pinces pour maintenir la pièce en place et on va ensuite venir la coudre. Donc cette fois-ci, on va coudre au point droit avec une marge de couture de 1 cm. Donc la couture qu'on a réalisée précédemment, la couture de maintien, va disparaître dans la marge de couture. C'est le résultat recherché. Donc je fais la même chose sur les deux pièces. Même principe que tout à l'heure, je positionne le pied au bord de la pièce BZ. Vous avez vu, je décale l'aiguille pour coudre à 1 cm de marge de couture. Et encore une fois, je vais rajouter ma petite cale pour aider la machine à passer l'épaisseur de la fermeture.
Donc on pense bien à faire son point avant-arrière pour passer l'épaisseur, parce qu'elle est un peu plus importante que tout à l'heure. Vous pouvez bien évidemment allonger le point pour aider la machine à passer l'épaisseur. Voici le résultat obtenu et je rabats les deux pièces de bout de zip envers contre envers, donc sur l'extrémité de la fermeture. Idéalement, si vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser, ce serait parfait. Et je place les pièces, du coup je les maintiens en place à l'aide de mes pinces. Donc je fais la même chose de chaque côté. Vous voyez que si j'ai un petit décalage au bord de la fermeture avec le tissu qui dépasse, ce n'est pas grave du tout parce que je vais pouvoir le rajuster par la suite. Là vraiment, ce qu'on va venir faire, on va essayer de venir créer une belle finition au bord de la fermeture et de limiter les épaisseurs à coudre. Donc là, je vais faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord intérieur de la languette cette fois-ci. Donc mon pied, il a un petit repère au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, donc ça m'aide bien pour piquer. J'aligne le repère au bord de la languette et je décale l'aiguille pour coudre à 0,5 cm du côté intérieur de la languette. Donc toujours avec mon pied à roulette, je le trouve super pratique dès qu'il y a des épaisseurs à coudre. Donc une fois qu'on a fait ça sur la première extrémité, tout simplement on fait la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant nous occuper de la languette de bas de trousse. Donc c'est la pièce LB qu'on avait entoilée au début de cette vidéo. Donc on va venir inciser le repère de pliure qu'on avait tracé ensemble. D'accord ? On l'incise sur environ 0,5 cm, pas plus. Ensuite, vous allez venir replier l'extrémité de la pièce, le bord de la pièce, envers contre envers au ras de l'entoilage. Donc on a fait une petite incision pour aider le tissu à bien se placer, c'est important. Et j'utilise ma presse ou un fer à repasser pour bien fixer les bords de la pièce vers l'intérieur. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, on va venir prendre une pièce de passant et on fait attention à la partie d'assemblage du passant. On va venir l'insérer sur la pièce avec ce petit repère au milieu pour ne plus le voir une fois que la pièce est fermée. Et je replie la pièce envers contre envers pour venir prendre le passant en sandwich entre les deux épaisseurs de tissu. Donc prenez votre temps, alignez bien le bord des pièces. Vous voyez, il faut bien aligner les replis pour ne pas voir le bord franc du tissu. Et je vais venir placer des pinces partout. Vous voyez, j'ai des petits fils qui dépassent parce que j'utilise un velours côtelé. Donc, il ne faut pas hésiter à venir retailler. Ce sera plus propre et ce sera plus simple pour vous de voir le bord de la pièce. Donc, voici le résultat obtenu. Bien sûr, je prépare les deux pièces de languette. Nous allons suivre exactement les mêmes étapes avec les languettes de haute trousse, donc c'est les pièces LH que nous avons entoilées aux premières étapes. Donc c'est exactement la même chose, hein. Vous incisez le repère, puis vous repliez le bord de la pièce envers contre envers, sauf que cette fois on n'insère pas de passant, vous repliez simplement la pièce sur elle-même au niveau du repère de pliure. Je place des pinces sur le tour de la pièce exactement de la même manière pour bien la maintenir en place. Et je fais la même chose avec la seconde pièce. Donc n'hésitez pas à bien repasser pour que votre tissu soit vraiment bien à plat. Donc cette languette, elle va venir se placer sur le haut de trousse aux étapes suivantes hein, quand nous l'aurons finalisée. Nous repassons sur la languette de bas de trousse. Nous allons venir fixer le passant en place. Donc vous avez vu, j'ai changé de pied. J'utilise le pied post-fermeture éclair. Et je vais venir positionner mon pied au plus près possible du passant. L'intérêt de ce pied, c'est que je peux vraiment décaler l'aiguille pour venir au plus près du passant sans être gêné par le pied. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai placé une petite cale pour aider la machine à monter sur l'épaisseur de la pièce. Donc n'hésitez pas à allonger le point pour obtenir une finition soignée. Et on fait la même chose sur les deux pièces.
Une fois que vous avez fini ces étapes, là j'ai rechangé de pied, j'ai remis mon pied à roulette et je vais venir réaliser une couture de maintien au point droit, d'accord, sur tout le tour de la languette, donc je couds à environ 0,5 cm du bord. J'essaie d'obtenir quelque chose qui soit joli et régulier, donc prenez votre temps pour ces étapes parce que la languette va être visible une fois cousue sur la trousse et si votre couture n'est pas très droite, il est possible que vous regrettiez dans le temps de ne pas avoir passé assez de temps. Donc je fais la même chose sur la seconde languette. Je passe ensuite à la languette de haute trousse, c'est exactement la même chose sauf que je ne viens pas fixer de passant puisqu'il n'y en a pas. Et je réalise simplement une couture au point droit à 0,5 cm du bord sur tout le tour de la pièce. Si vous travaillez sur un pied comme le mien avec un repère central, j'ai aligné le repère central au niveau du bord de la pièce. Si ce n'est pas le cas, vous devez aligner le bord du pied au bord de la pièce et décaler l'aiguille pour coudre à 0,5 cm du bord. Le but est que la pièce ne s'ouvre plus hein, puisqu'elle était ouverte sur les deux côtés et avoir une finition qui soit soignée, donc je garde un point allongé. Et ce qui peut être pas mal aussi, que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est de coordonner le coloris du fil avec le coloris de la pièce. Comme ça, si votre couture n'est pas tout à fait droite, ça se verra pas trop au final. Nous allons passer à l'assemblage du fond de trousse. Donc pour ces étapes, vous avez besoin des deux pièces de fond de trousse F que nous avons entoilées précédemment. Je les place endroit contre endroit, vous avez vu, en alignant bien tous les bords, et je viens placer quelques pinces pour maintenir la pièce en place, enfin les deux pièces l'une en face de l'autre. Le montage est un peu atypique hein, des autres trousses que vous avez l'habitude de réaliser parce qu'on va travailler en circulaire. Donc nous allons assembler le fond de trousse en premier sans utiliser les pièces de haute trousse. Donc vous avez vu, je positionne mon pied et je viens réaliser une couture au point droit sur le bas de l'ouvrage à 1 cm du bord. Donc je fais bien un point avant arrière pour sécuriser ma couture et j'essaye de coudre de manière régulière. Ma couture elle doit passer au ras de l'entoilage. N'hésitez pas à allonger un petit peu le point si vous travaillez une matière épaisse et n'oubliez pas de faire votre point d'arrêt. Une fois que j'ai réalisé ma couture, je viens ouvrir la marge de couture qui se trouve au dos de la pièce. Alors vous avez vu, comme c'est du simili, elle ne tient pas vraiment très bien en place. Donc je place une pince de chaque côté. Je vais venir aussi repasser un petit peu la marge de couture avec un fer à température modérée. Je vais essayer de pas venir faire fondre mon simili cuir. Et éventuellement, si vous voulez bien plaquer la marge de couture, ce que je vous conseille, c'est de placer quelques petits morceaux de masking tape plutôt au centre. Voilà, et on va coudre ensuite par-dessus. Vous pourrez choisir de les laisser en place ou de les enlever, c'est vraiment un choix personnel. Donc je repasse côté endroit et là je vais venir réaliser une surpiqûre au point droit de chaque côté de la couture d'assemblage, donc à 0,5 cm du bord. Donc comme tout à l'heure, je viens placer le repère de mon pied au niveau de la couture d'assemblage du milieu, vous voyez, et je décale l'aiguille, donc pour l'instant à gauche pour réaliser ma surpiqûre sur la gauche. J'ai bien entendu allonger le point pour obtenir une finition soignée. Vous pouvez coordonner le fil, le coloris avec le coloris du fond de trousse. Ça peut être aussi joli et éviter de voir les éventuels décalages si vous avez du mal à coudre droit. Et une fois que j'ai fait ça, je viens replacer mon pied et je décale l'aiguille cette fois-ci sur la droite pour coudre à 0,5 cm du bord de la couture d'assemblage. Donc j'obtiens au final deux coutures qui sont parallèles de chaque côté de la couture d'assemblage. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler le simili cuir, je vous rappelle, c'est mieux en tout cas d'utiliser une aiguille un peu épaisse, donc une aiguille de 90 pour aider la machine à passer l'épaisseur. Voici le résultat obtenu, donc j'ai bien la marge de couture ouverte au dos de la pièce. Je vais travailler sur le premier côté, donc je rabats les deux pièces endroit contre endroit et je place des pinces sur le côté de la pièce. Je vais ensuite venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de la même manière que pour le fond de trousse. Donc je décale l'aiguille pour qu'elle se trouve bien au centre du pied et je réalise ma couture en passant au ras de l'entoilage.
J'ouvre la marge de couture de la même manière que tout à l'heure, au dos de la pièce, sur le côté en vert, et je place une pince sur le haut et le bas de la pièce. Ce que je peux éventuellement faire pour m'aider, c'est placer un morceau de masking tape au centre de la marge de couture pour bien la conserver en place pendant la phase de couture suivante. Je vais venir insérer mon ouvrage, donc là le positionnement n'est pas évident, hein. Cette couture elle n'est pas obligatoire, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien laisser comme ça. Et donc je vais m'organiser pour placer mon pied de la même manière que tout à l'heure, avec le repère au centre de la couture d'assemblage, et je vais venir réaliser une piqûre de chaque côté de la couture d'assemblage, donc une à droite, toujours au point droit ou au point allongé, sur toute la hauteur de la pièce. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur le côté gauche de la pièce, donc en déplaçant l'aiguille à gauche de la couture d'assemblage. Je vais faire une seconde couture qui va être parallèle à la première. Le but est d'obtenir une finition de fond de trousse soignée et d'avoir quelque chose qui fasse une continuité avec la couture de fond de trousse. Alors, cette couture-là, elle est moins évidente sur les petites pièces. Là, je travaille sur la taille 2, sur la taille 1 aussi, elle n'est pas évidente. À partir de la taille 3, ce sera plus facile de réaliser cette finition. Là, et je vous répète qu'elle n'est pas obligatoire si vous n'y arrivez pas. Donc voici le résultat final. Et je vais maintenant venir faire la même chose sur l'autre angle que j'aurais précédemment cousu à 1 cm de marge de couture. Donc j'ai fait exactement les mêmes étapes et je viens surpiquer le second côté exactement de la même manière. Nous allons maintenant fermer les angles de fond de trousse. Donc je vais me placer au niveau d'un angle et je vais venir aplatir la pièce, donc endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les marges de couture qui sont cousues ouvertes. Donc à cette étape, vous devez faire correspondre le centre de la marge de couture, c'est important, sinon vos surpiqûres ne vont pas s'aligner correctement. Vous voyez, quand je vérifie, ça me donne ceci. Donc je fais la même chose sur l'autre angle et je place bien mes pinces pour maintenir la pièce en place. À cette étape, je vais passer sous la machine à coudre et je vais réaliser une couture au point droit à 1 cm de marge de couture sur chaque côté de la pièce, donc au niveau de l'angle. C'est exactement la même chose que l'assemblage du fond de trousse et des côtés. Je fais ma couture au point droit en la réalisant au ras de l'entoilage. Quand vous passez sur la marge de couture, il y a beaucoup d'épaisseur, donc n'hésitez pas à allonger le point pour aider la machine à passer l'épaisseur. Et éventuellement, si besoin, à réduire la tension si vous rencontrez des difficultés à cette étape. Voici le résultat obtenu, donc n'hésitez pas à passer votre pièce sur l'endroit pour vérifier comment se placent les angles. Donc je ressors bien le bord de chaque angle en poussant avec les doigts et je regarde comment s'alignent les surpiqûres. Donc là c'est pas mal et j'ai toujours mes marges de couture ouvertes à l'intérieur du fond de trousse. Pour créer le haut de trousse, nous allons travailler sur la version bimatière. Donc vous allez placer la pièce H1 en droit face à vous. Vous avez vu, j'ai utilisé un très joli velours côtelé au passage. Et je vous allez reporter les repères de placement qui se trouvent sur le gabarit. Donc vous pouvez soit les reporter à l'aide d'un crayon textile, soit réaliser un petit cran au niveau de chaque repère sur à peu près 0,3 mm. Pour placer le passepoil, si vous voulez en placer, je vais vous donner une astuce. Elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Donc vous prenez votre petit morceau de passepoil et au niveau des extrémités, vous marquez un repère à 1,5 cm de chaque côté du passepoil, d'accord? Et moi j'ai placé une pince pour que vous puissiez bien le repérer, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Avec votre découvite, vous allez venir découdre la couture qui se trouve sur l'extrémité du passepoil. Le but est d'accéder à la ganse. Donc la ganse, vous voyez, c'est cette partie blanche qui dépasse du passepoil, ce qui vous fait le petit boudin, le petit liseré là, qui est d'ailleurs très très joli. Et j'ouvre le passepoil
et je vais venir couper cette ganse. Le but est de limiter les épaisseurs à coudre pendant la phase d'assemblage du haut de trousse. Et donc pour ça, moi je viens retirer, on appelle ça dégarnir l'extrémité du passepoil. Donc je fais ça de chaque côté, donc le premier côté est terminé. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps pour ces étapes, hein. Le but est d'obtenir quand même des finitions qui soient soignées. Et donc cette étape, vous allez la renouveler 4 fois parce que vous avez 4 morceaux de passepoil à dégarnir. Je viens me placer sur la pièce H1 que j'ai marquée tout à l'heure et je viens placer mon passepoil. Donc je commence par le bas de la pièce, j'aligne bien donc sur le côté qui est en diagonale, hein, exactement comme cette vidéo, et vous avez vu, en temps normal, je déplace toujours le passepoil à 1 cm du bord. Là, je ne vais pas le faire parce que je voudrais me simplifier le placement du passepoil. Donc, j'aligne bien le bord du passepoil sur le bord de la pièce. Je pars du bas vers le haut. Et quand j'arrive au niveau du repère, là-haut, vous voyez le petit repère en diagonale, je viens replier l'extrémité du passepoil vers l'extérieur de la pièce. Voilà, donc je place des pinces pour bien maintenir mon passepoil en place. Bien sûr, il va dépasser de l'extrémité de la pièce, c'est normal, hein. Donc je fais la même chose sur la pièce H3 où j'aurais préalablement reporté les repères et je vais venir avec mon pied pose fermeture coudre le passepoil en place. Donc si vous êtes observateur ou observatrice, vous allez voir que moi on voit la ganse sur mon passepoil parce que pour cette vidéo je n'ai pas dégarni le passepoil, mais je vous ai quand même expliqué comment faire juste avant parce que c'est fortement recommandé. Donc je viens positionner mon ouvrage sous mon pied au niveau du repli du passepoil. J'ai placé ma petite cale et je viens faire une couture de maintien. Donc soit je la réalise au ras du boudin du passepoil. Moi je vous conseille de décaler quand même un peu l'aiguille. Donc vous pouvez coudre à peu près, on va dire 0,3 ou 0,4 mm. Donc je fais cette couture au point droit sur toute la longueur pour bien fixer mon passepoil. Une fois que c'est fait, je peux me permettre de venir couper la partie qui dépasse, la partie repliée, et je vais commencer l'assemblage du haut de trousse. Je place la pièce H2 face à moi. Côté envers, c'est mieux. Et je viens placer, reporter les repères de placement sur les côtés. Donc ces repères, ils sont importants, vous allez voir, ça vous aide à bien placer la pièce H2 avec la pièce côté. Donc je fais la même chose sur l'autre côté de la pièce. Et je viens de la même manière prendre la pièce H1 pour reporter. Vous savez, tout à l'heure, on avait reporté le repère de placement. Là, je vais le reporter sur le passepoil en réalisant un petit cran. Mais vous pouvez très bien faire un cran sur le repère réalisé précédemment. D'accord? Donc, je place ma pièce H2 endroit contre endroit. Donc, c'est la pièce en coton imprimé sur ma pièce H1 qui est en velours côtelé. Et je fais très attention à venir bien faire correspondre les deux crans de placement. C'est très important. Pourquoi? Parce que je vais placer ma pièce en biais et quand je vais la coudre et la rabattre sur l'endroit, je veux avoir un alignement du haut et du bas de la pièce. Donc une fois que j'ai placé mes deux pièces, je viens placer des pinces et je vérifie, vous voyez, si je rabats ma pièce, j'ai un alignement qui s'est fait en haut et en bas. Donc ça me convient. Je vais réaliser une couture au point droit au ras du passepoil, d'accord. Donc là, j'ai pas 1 cm de marge de couture, c'est normal. Si vous travaillez sans passepoil, vous pouvez coudre à 1 cm. On va créer un mini décalage, mais ce n'est pas grave parce qu'on va retailler la pièce réalisée avec le gabarit H à la fin, d'accord. Donc je place mon pied et là, je viens coudre au ras du passepoil sur toute la longueur au point droit. Je vais venir rabattre la pièce H1. Sur l'endroit, donc je vois que j'ai mon passepoil qui est bien posé entre les deux pièces, c'est d'ailleurs très joli. Et je vais venir placer une pince sur le haut et le bas de la pièce. Donc je rabats la marge de couture au dos de la pièce en velours côtelé, ça c'est important. Et je vais venir réaliser une surpiqûre sur le velours côtelé à 0,5 cm de la couture d'assemblage. Donc là, j'ai réutilisé mon pied à roulette pour m'aider à passer l'épaisseur et bien entraîner la matière sous le pied. N'hésitez pas à allonger le point pour des finitions soignées. Ensuite, je fais exactement la même chose avec la pièce H3 sur laquelle j'ai précédemment posé le passepoil
je viens refaire un petit cran au niveau du repère de placement et maintenant cette fois-ci c'est cette pièce que je vais venir placer. Donc je prends mon ouvrage et je viens faire correspondre les repères de placement, donc celui que j'ai tracé sur le coton imprimé, la pièce H2 et celui que je viens d'inciser. Je prends mon temps, il faut vraiment bien les placer l'un en face de l'autre pour éviter d'avoir du décalage et de devoir découdre, ce serait dommage. Je place mes petites pinces et ce sont exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Moi personnellement, je vérifie toujours l'alignement avant de coudre, ça c'est important. Et je vais venir faire une couture au point droit, au même endroit exactement. Sur cette vidéo, j'ai gagné du temps, j'ai déjà rabattu ma pièce sur l'endroit et j'ai déjà réalisé ma surpiqûre. Je viens ensuite retailler, vous voyez, ça dépasse mon haut de trousse à l'aide de la pièce H. Donc pour cela, je vais venir marquer le milieu de la pièce, donc je la plie endroit contre endroit pour bien marquer le centre et je vais venir réaliser un petit cran à l'aide de ma paire de ciseaux, donc un petit cran petit, hein, d'accord, donc 0,4 mm maximum. On va avoir une couture d'assemblage à 1 cm, donc il va disparaître. Et je fais la même chose sur le bas également. Ce qui va me permettre simplement d'avoir un repère pour placer ma pièce H. Vous voyez, puisqu'elle a aussi un repère de placement, donc j'aligne le repère en haut et en bas et je place des pinces. J'essaye de bien tout aligner, je mets des pinces partout, vous pouvez mettre des épingles hein, si vous voulez. Et je vais venir retracer le tour de la pièce H. Donc soit je trace avec un crayon textile, hein, deux techniques différentes, soit je place directement des épingles et je viens couper au bord de ma pièce, de mon gabarit, c'est vraiment comme vous voulez. Comme ça je vous montre les deux, même si j'ai le repère, là je peux aussi passer au bord du gabarit, c'est pareil. Donc j'utilise ma paire de ciseaux de couture, cette fois-ci pour couper mon tissu et je prends bien mon temps. Je veux obtenir une pièce qui vraiment fait la taille du gabarit. C'est important parce que par la suite, je vais devoir assembler la pièce de doublure et je veux qu'elle ait la même largeur, mais surtout que les angles de haut de trousse correspondent. Je fais la même chose de l'autre côté et voilà, ma première pièce de haut de trousse est prête. Donc je vous invite à faire exactement les mêmes étapes avec les pièces restantes H1, H2, H3 pour obtenir une deuxième pièce identique. Pour créer la poche de doublure, vous allez placer la pièce PP face à vous, c'est la pièce en tissu à motif. Et comme je suis en train de vous montrer avec le gabarit, on va venir poser par-dessus la pièce PP. Donc je la positionne endroit contre endroit, donc c'est la pièce qui est en tissu de doublure. Vous voyez que le bas des deux pièces ne s'aligne pas, cela est normal. Alignez bien le haut des deux pièces et les côtés, et ensuite on va venir placer des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Donc, ne soyez pas étonnés, dans cette vidéo, cette pièce n'est pas entoilée. Vous, elle est entoilée pour un meilleur maintien et faciliter la phase de couture. On va réaliser une couture au point droit sur le haut de la pièce à 1 cm de marge de couture. J'aligne bien le bord de mon pied et je décale l'aiguille au centre. Je vais venir ensuite rabattre la pièce PP sur l'endroit et tourner mon ouvrage de manière à avoir accès à la marge de couture. C'est important pour les finitions, je vais venir ouvrir cette marge de couture et je vais la fixer en place en passant un petit coup de fer. Puis je vais rabattre les deux pièces envers contre envers en alignant cette fois-ci la pièce au niveau du bas et des côtés. Et vous voyez que j'ai un liseré qui se forme sur le haut de la pièce de manière automatique, hein, puisqu'il y a une pièce plus grande que l'autre. Et donc, je viens placer des pinces pour maintenir la pièce en place. Donc là, je me fiche un petit peu d'aligner le bas et les côtés. Tout ce qui m'intéresse, c'est le liseré du haut de la pièce parce que je vais venir le surpiquer. Je vais venir réaliser une surpiqûre. Donc j'ai deux options de couture, je vais vous montrer les deux. Soit je réalise la surpiqûre sur la couture d'assemblage, donc c'est-à-dire entre les deux pièces. Vous voyez, j'ai placé le repère de mon pied au milieu et je couds sur ce repère, soit comme ici, mais le liseré était plus petit, je viens coudre à 0,5 cm sous le liseré, d'accord, pour décaler ma couture en dessous. C'est vraiment ce que vous préférez. Voici le résultat obtenu. Je vais maintenant repasser
mes deux pièces endroit contre endroit en alignant bien le bas et les bords des deux pièces, les côtés, parce que je vais réaliser une couture au point droit sur le bas de l'ouvrage pour former un tube. Donc je suis en train de finaliser le bas de ma poche, donc je place mes pinces. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm de marge de couture sur le bas de la pièce. Donc prenez votre temps pour cette étape, le but est d'avoir une poche qui soit relativement droite. Hein. Si vous ne cousez pas régulièrement, la poche elle va un peu gondoler sur le bas et ce serait dommage. Une fois que j'ai terminé ma couture, je vais venir retourner la pièce sur l'endroit par l'un des côtés encore ouverts et je vais ensuite venir la repasser pour bien la plaquer et qu'elle vienne se placer correctement sur la pièce suivante. Donc ça c'est important, j'écrase bien la marge de couture au fer pour obtenir une pièce bien plate et je vais venir couper l'excédent de marge de couture qui dépasse sur le bas de la pièce. Si comme moi vous avez un petit décalage sur le côté, vous pouvez soit le retailler tout de suite, soit le retailler après avoir placé la pièce, c'est comme vous voulez. Nous allons venir placer la poche sur la pièce de doublure. Donc je place la pièce D2 face à moi et je vais venir reporter le repère de placement de poche plaquée. Donc à cette étape, important, utilisez bien un crayon textile qui soit effaçable. Moi, je ne le fais pas là, mais je veux que vous voyez vraiment bien le repère. Mais c'est mieux parce que si vous vous trompez, vous pourrez effacer. Donc, je viens ensuite placer ma poche à liseré, donc sur la pièce des deux, en alignant le bas de la poche au niveau du repère et en faisant correspondre les côtés, vous voyez, qui sont en biais. Donc, prenez votre temps pour bien placer la pièce à cette étape et je vous conseille de placer les pinces sur le côté de la pièce. Pour le bas de la pièce, deux options, soit vous placez une épingle ou vous pouvez passer un petit peu des morceaux de masking tape pour la maintenir en place. Donc je vais réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce. Donc je commence par la couture du bas de la poche, d'accord? Donc là je décale mon aiguille pour bien coudre et je viens réaliser une couture sur toute la longueur de la pièce. Si vous avez placé du masking tape comme moi, il va falloir l'enlever au fur et à mesure. Si vous avez placé des épingles, vous pouvez passer par-dessus. Donc n'hésitez pas à allonger le point, c'est important pour aider la machine à passer les épaisseurs parce qu'il y a pas mal d'épaisseurs sur le bas de la pièce. Et ensuite, je vais venir réaliser une couture de chaque côté de la pièce. Pour éviter les décalages, donc là c'est une couture de maintien, je vais coudre à 0,5 cm du bord. Pour éviter les décalages, je vous conseille de commencer en partant du bas de la poche vers le haut. Ça vous évitera d'obtenir du pli puisque la matière va se déplacer au fur et à mesure que vous allez coudre. Si vous avez un petit décalage comme moi, ce n'est pas dramatique parce qu'ensuite on va faire un assemblage à 1 cm avec la pièce suivante. Si vous souhaitez compartimenter cette poche, cette option est possible à partir de la taille 3. Je vous invite à poser le gabarit D2 sur votre ouvrage et à reporter les repères de haut et de bas. Ensuite, vous allez vous servir d'une règle pour relier les deux points sans les tracer, bien entendu, et vous pouvez placer un morceau de masking tape qui va vous servir de repère pour réaliser une couture au centre de la poche de haut en bas en suivant les indications du patron. Nous allons maintenant assembler les côtés de la doublure, donc de la même manière que pour la pièce extérieure. Je vous invite à placer devant vous une pièce de côté de doublure, donc là j'ai pris D3 et à reporter le repère de placement au dos et pareil de reporter le repère de placement qui se trouve sur la pièce des deux, donc cette fois-ci il faut la reporter sur le côté en droit de la pièce pour pouvoir bien les faire correspondre. Donc là le montage est identique que pour la face extérieure hein, de la trousse. Je vais venir faire correspondre chaque repère et je vais placer des pinces pour maintenir la pièce de côté de doublure en place. Je vais coudre cette pièce de la même manière que tout à l'heure à 1 cm de marge de couture. Donc encore une fois, je déplie pour voir si tout se coordonne parfaitement, ça me semble bien. Donc je vais placer la deuxième pièce et je vais tout coudre d'un coup pour gagner du temps,
Donc je reporte mon repère sur le côté gauche de D2 et cette fois, je vais prendre la pièce D1 et à l'aide du gabarit, je vais venir une nouvelle fois reporter le repère de placement. Je vais placer les deux pièces endroit contre endroit en faisant bien correspondre chaque repère et de la même manière, je vais placer des pinces pour maintenir la pièce en place. Je réalise une couture à 1 cm de marge du côté. J'aligne bien le pied au bord de la pièce, mon aiguille est au centre et je réalise une couture à 1 cm sur chaque côté. Donc prenez votre temps pour ces étapes parce qu'il est important d'avoir une couture qui soit régulière pour avoir une pièce qui soit jolie. J'enlève bien sûr mes pinces au fur et à mesure. Une fois que mes pièces sont en place, je vais les rabattre sur l'endroit, je passe un petit coup de fer à repasser, c'est mieux. Et ensuite, je viens plaquer la marge de couture au dos de la pièce de côté. Donc c'est au dos des pièces en coton imprimé. Je place des pins sur le haut et le bas pour maintenir les marges en place. Et de la même manière que pour la pièce extérieure, je viens réaliser une surpiqûre au point droit de chaque côté à 0,5 cm du bord de la pièce. Donc moi, j'utilise le repère central de mon pied que je place sur la couture d'assemblage et j'ai décalé l'aiguille à droite pour coudre sur la pièce en coton imprimé. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à allonger votre point pour obtenir une surpiqûre qui soit jolie et des finitions soignées et aider un petit peu la machine à passer les épaisseurs. Je vais ensuite venir vérifier ma pièce. Donc j'utilise le gabarit G. C'est la pièce de doublure aussi, hein, la pièce D. Et je l'aligne au niveau du haut et du bas de la pièce. Et je place des pinces sur tout le tour. Le but là va être de venir retailler la pièce et de venir compenser un éventuel décalage au niveau de la marge de couture. Bien évidemment, vous avez un peu plus de matière parce que j'ai anticipé que certaines pouvaient ne pas coudre parfaitement droit. Donc ne vous étonnez pas si vous avez, comme moi, un petit peu de retaillage à faire sur les côtés. Cela est normal. Donc je viens couper le long du gabarit ou sur le repère. Je peux faire exactement la même chose sur le haut et le bas hein, si j'ai un éventuel décalage. Et ma pièce de doublure avec poche est prête. Elle doit faire exactement la même taille que la pièce de doublure T. Nous allons maintenant placer la fermeture sur une pièce de haute trousse. Nous allons la placer endroit contre endroit. Donc pour cela, je vais plier ma fermeture en deux, envers contre envers, de manière à venir marquer le centre de la fermeture. Donc je fais un petit repère sur le côté envers de la fermeture pour pouvoir voir le repère face à moi. Et je vais aussi faire un petit repère au centre de ma pièce. Donc soit vous marquez le repère qui se trouve sur H, soit comme moi, vous pliez la pièce endroit contre endroit et vous faites une petite incision sur le haut. Je viens placer ma fermeture endroit contre endroit, c'est-à-dire que le curseur se trouve contre le tissu en faisant correspondre le repère que je viens de marquer. Ça va vous permettre de compenser un éventuel décalage de languette et je vais venir faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord de la fermeture. Donc là, je vais venir placer une petite cale pour aider ma machine à passer l'épaisseur. J'utilise mon pied pose fermeture, d'accord? Et je viens pas du tout au ras des dents du zip, ça c'est important parce que c'est une couture de maintien. Donc je vous invite à allonger le point aussi pour aider la machine à passer l'épaisseur. Quand vous arrivez au curseur, important, surtout vous plantez l'aiguille, c'est très très important, ce qui vous permet de lever le pied et de décaler le curseur sur la partie cousue. Ensuite, on rebaisse son pied et on prolonge la couture jusqu'à l'extrémité en essayant de garder une marge de couture constante. Je vérifie ma couture et je vérifie surtout que ma fermeture coulisse. Tout va bien, je peux placer
Maintenant, ma pièce de doublure, donc j'utilise la pièce de doublure avec poche, que je viens placer endroit contre endroit sur le haut de la fermeture. À cette étape, la fermeture se retrouve prise en sandwich entre les deux pièces, et je fais bien attention à aligner le bord des angles. Alors voyez, j'ai la petite languette de bout de zip là qui dépasse, je peux la laisser ou la retailler, mais j'aligne pas ma pièce au bord de la languette, mais plutôt au bord de la pièce de haute trousse. Je place des pinces sur toute la longueur et maintenant je vais venir faire une couture d'assemblage, cette fois-ci plus près des dents du zip, donc à 0,8 cm. Je ne couds jamais à 1 cm parce que je n'aime pas avoir une couture vraiment trop proche des dents. Je trouve que c'est une trop grosse prise de risque d'avoir une fermeture qui ne coulisse pas facilement. Donc vous décalez l'aiguille pour venir coudre à l'endroit souhaité, donc je vous conseille 0,8 cm, et on vient faire une couture au point droit sur toute la longueur. Donc là, on va peut-être se retrouver à passer au ras du passepoil. Rappelez-vous qu'on avait cousu sur la face extérieure de la trousse. Vous voyez là, je passe à côté au ras du passepoil, donc à ces étapes, prenez votre temps. Ensuite, forcément, je vais devoir planter l'aiguille pour passer le curseur de l'autre côté de la fermeture. Je fais attention à ne pas décaler ma pièce, d'accord, la pièce de doublure, et ne pas créer de décalage sur le bord de la fermeture. Je rebaisse le pied et je continue ma couture, toujours avec la même marge, jusqu'à l'extrémité de mon ouvrage. Je vais venir rabattre les deux pièces envers contre envers. Donc je me retrouve avec la fermeture cousue entre les deux pièces. Et à cette étape, je vais venir tirer un petit peu sur mon ouvrage pour bien faire ressortir le bord de la fermeture. Je vais également placer des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Donc là pour l'instant, je ne vais pas coudre les pièces. Je vais me contenter de faire une surpiqûre sur le bord de la fermeture. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de placer les pinces comme moi, c'est-à-dire venir dégager le bord de la pièce pour pouvoir coudre tranquillement. Je vérifie toujours que ma fermeture coulisse, ça c'est important, et je vais venir faire une surpiqûre à 0,5 cm sous la fermeture. Donc, de la même manière, je vais venir placer mon pied au niveau du repère et je vais décaler l'aiguille pour coudre à 0,5 cm. Donc à cette étape, ce que je vous conseille, c'est de tirer un petit peu sur le zip pour le faire ressortir et ne pas avoir la partie doublure qui vienne se prendre dans les dents du zip par la suite, parce que ça, c'est toujours énervant quand on fait un ouvrage et que la fermeture coulisse mal. Alors, bien évidemment, j'ai pas pris le pied le plus pratique pour pouvoir passer le curseur, mais je voulais vous montrer que c'est possible. J'ai gardé mon pied à roulette, vous pouvez utiliser un pied pose-fermeture si vous préférez. Donc je termine ma couture jusqu'à l'extrémité de l'ouvrage et j'oublie pas de faire mon point avant-arrière. Donc voici le résultat obtenu, je vérifie que ma fermeture coulisse correctement, c'est parfait. Et je vais venir maintenant ajouter la seconde face extérieure. Donc je vais la placer endroit contre endroit sur la fermeture, voilà, sur le haut de la fermeture encore libre, et je l'aligne de la même manière que tout à l'heure. Soit je fais correspondre les repères de placement haut, soit je fais correspondre les angles de l'ouvrage et le côté. Vous voyez que j'ai aligné le côté des deux pièces extérieures. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Même si ma petite languette dépasse un peu, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe uniquement des côtés de la pièce. Même chose, on vient réaliser une couture au point droit. C'est une couture de maintien, donc toujours à 0,5 cm. Donc j'ai utilisé mon pied pose fermeture de la même manière. Et c'est exactement la même chose que pour la première pièce. On vient retirer les pinces au fur et à mesure. On passe le curseur en n'oubliant pas de planter l'aiguille, ça c'est important. Et quand vous passez au niveau du passepoil, prenez votre temps pour pouvoir coudre tranquillement. Je vais jusqu'au bout et cette étape est terminée. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon ouvrage de manière à avoir la partie doublure avec poche face à moi. Et je viens ajouter la dernière pièce restante, donc c'est la pièce D de doublure qui se retrouve du coup endroit contre endroit contre la partie doublure avec poche.
et je fais attention à bien aligner les angles exactement de la même manière que pour la partie extérieure. Je vais venir placer mes petites pinces et je réalise cette fois-ci une couture au point droit à 0,8 cm du bord. Donc sur toute la longueur de mon ouvrage. J'ai changé de vue pour varier un petit peu, parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc pour le placement de pied, vous savez déjà faire, et donc je vais venir coudre tranquillement sur toute la longueur. N'hésitez pas à allonger un petit peu le point si vous l'aviez réduit, parce que là j'ai quand même pas mal d'épaisseur, j'ai l'épaisseur des deux pièces de doublure, les deux pièces extérieures, plus la fermeture, donc là ça commence à faire un petit peu. Je fais mon point avant arrière et c'est terminé. Une fois que la fermeture est en place, on va venir la surpiquer exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je vous montre toutes les différentes couches et je vais venir placer du coup la pièce de doublure D au dos de la pièce extérieure. Donc je vérifie toujours que ma fermeture coule lisse, ça c'est un petit toc chez moi, hein. Je vérifie toujours. Parce qu'une fois que la trousse est montée, c'est dommage de se rendre compte de ce genre de problème. Donc j'ai rabattu chaque pièce de doublure au dos de chaque pièce extérieure, j'aligne bien les côtés. Et c'est la même chose que tout à l'heure, je vais bien tendre la partie doublure et tirer un petit peu sur le bord de la fermeture pour venir surpiquer le bord de la pièce extérieure, donc en haut, à 0,5 cm du bord de la même manière. Voilà, donc du côté doublure ça vous donne ça et je fais attention à ce que la doublure ne vienne pas se prendre dans les dents du zip par la suite. Je vous montre le placement sous la machine. J'ai placé la partie que je souhaite surpiquer sur le côté gauche et le côté droit, j'ai mis la partie qui était déjà surpiquée. Donc c'est exactement les mêmes étapes. J'y vais tranquillement et j'allonge bien le point pour aider la machine à passer les épaisseurs en faisant vraiment attention aux épaisseurs lorsque je passe au bord du passepoil. Est passé, c'est bon. Et voilà. Et donc je termine ma couture jusqu'à l'extrémité en n'oubliant pas mon petit point avant-arrière. Je vérifie une dernière fois que tout coule lisse. C'est parfait, ma fermeture est en place et elle est surpiquée. Du coup maintenant nous allons passer au placement des languettes hautes. Je vais venir travailler sur un coin de haute trousse. Alors, je vais prendre les languettes qui n'ont pas de passant, d'accord, donc celles qui sont droites, et je vais travailler au niveau de la partie ouverte. Donc là, vous voyez, je viens aligner ma languette sur le bord de l'ouvrage et je n'aligne pas au niveau du petit coin de propreté qui dépasse. J'aurais pu le couper, mais j'ai oublié avant de filmer ces étapes. Donc normalement, la languette, elle trouve facilement sa place si elle est cousue à la bonne taille, elle rentre juste dans l'angle et je vais faire la même chose exactement de l'autre côté. Donc je fais attention de bien placer la partie ouverte, d'accord, vers l'extérieur de mon ouvrage et je place ma petite languette dans l'angle. Si vous voulez marquer le centre pour bien faire correspondre le centre de la languette et le centre du carré de haute trousse, c'est possible également. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir faire une couture au point droit, donc une couture de maintien à 0,5 cm du bord. Donc le but est juste de fixer la languette en place, mais on fera une couture d'assemblage par la suite, donc cette couture va disparaître. Donc on peut la faire au point allongé, de toute façon elle ne sera pas visible. Donc je fais la même chose sur les deux languettes. Pour l'assemblage des côtés, Je vérifie ce que donne ma languette, que tout va bien, elle est bien placée. Et je vais venir placer les deux pièces extérieures de la trousse, endroit contre endroit. Et je vais placer aussi les parties doublures endroit contre endroit. Donc j'aligne bien le côté, c'est ce qui m'intéresse. Le bas, je ne vais pas le coudre pour le moment, donc c'est pas la peine de mettre des pinces partout. C'est surtout les deux côtés de la trousse. Je fais la même chose sur la partie doublure et
je vais venir marquer un petit repère. Alors dans le tuto, vous allez voir que je vous dis de marquer un repère à environ 6 cm. Donc ça, c'est la taille 2 que je suis en train de faire. Donc sur la partie doublure, je vais mettre un petit repère pour arrêter ma couture à ce niveau. Si vous travaillez sur une taille plus grande, la taille 3, 4 ou 5 par exemple, vous pouvez, je pense, placer votre repère vers 10 cm. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir assembler les côtés de trousse au point droit. Donc, je vais commencer par la partie extérieure, d'accord? Donc, je travaille uniquement sur les côtés. Et je vais la coudre à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie doublure. Donc, j'arrête ma couture à chaque fois au niveau de l'angle. On va passer sous la machine pour bien vous montrer le placement. Voilà. Donc, je me mets au bord et je pique à 1 cm du bord. Donc j'y vais tranquillement, n'hésitez pas à prendre votre temps pour ces étapes, parce que c'est important d'avoir une couture bien régulière, sinon votre trousse, elle aura des finitions pas très jolies. Là, vous allez voir que je passe du côté doublure, donc il peut y avoir un peu d'épaisseur à cause de la languette. Si jamais vous avez du mal à placer le pied, vous pouvez changer et utiliser un pied pose-fermeture, si c'est plus facile pour vous, ça va dépendre des matières que vous avez choisies, bien évidemment. Je viens arrêter ma couture au niveau du repère que j'avais tracé précédemment. Bien entendu, vous ne le voyez pas dans cette vidéo parce qu'il est sur l'autre face. Voilà, donc là, ça y est, les côtés de mon ouvrage sont assemblés et j'obtiens ceci. Donc vous voyez que les angles de haute trousse ne sont pas fermés. À cette étape, on voit ma petite languette au fond. Et maintenant, je vais fermer les angles de haute trousse. Donc je vais venir tirer un petit peu. Vous voyez, ma languette, elle va se placer à plat entre les deux épaisseurs. Donc, je place ma languette à plat. Normalement, elle trouve sa place toute seule. Et je viens ouvrir la marge de couture. Donc, n'hésitez pas à passer vos doigts pour bien tout plaquer. Là, c'est la petite étape un peu technique. Donc, prenez votre temps parce que si vous ne placez pas très bien la languette, vous risquez d'avoir une trousse qui soit moins jolie et ce serait dommage. Donc, moi, je commence toujours par la partie extérieure. Je la place. J'ouvre ma marge, voilà, et après je fais la même chose du côté doublure. Donc je viens ouvrir la marge de couture, n'hésitez pas à rentrer. Et vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser si vous voulez, et ensuite je fais correspondre les deux marges de couture l'une en face de l'autre. Donc faut pas hésiter à ouvrir l'angle, voyez, ce sera plus facile après pour le placement. Et une fois que je suis satisfaite de mon placement, les deux marges doivent être l'une en face de l'autre, c'est mieux, je place une pince. Je viens bien ouvrir l'angle et après je peux éventuellement placer des pinces sur les côtés pour maintenir les angles ensemble. Voilà, comme ceci. Et maintenant nous allons venir fermer l'angle. Donc ça c'est le premier angle, on va faire la même chose sur le second bien évidemment. Vous regardez ce que ça donne, si ça vous convient, et on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord de la pièce. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc je vous conseille quand même un pied à roulette, je vous conseille d'allonger le point et d'utiliser une aiguille assez épaisse. Moi j'utilise une aiguille de 90, mais si vous travaillez sur des matières plus épaisses, vraiment simili, suédine, vous pouvez monter une aiguille spéciale jean. Donc je place le pied, j'appuie bien sur ma marge de couture pour qu'elle reste bien à plat, et je fais mon point avant-arrière et je viens coudre sur toute la longueur. Voilà. Il y a un peu d'épaisseur, il faut prendre son temps et essayer de faire une couture vraiment bien régulière, parce que l'angle, s'il n'est pas très bien fait, ça va se voir tout de suite sur le haut de votre trousse. Voilà, le premier angle est prêt. J'ai suivi les mêmes étapes sur le second angle, je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, et je viens vérifier le résultat, ça c'est très important, je vous conseille de le faire, parce que parfois on pense que c'est bien cousu, mais il faut voir sur l'endroit ce que ça donne. Donc je retourne mon ouvrage sur l'endroit et je viens regarder mon angle, est-ce qu'il me convient? Oui, la finition me convient, ça a l'air assez droit. Et je peux aussi regarder éventuellement dans la doublure ce que ça donne aussi. Donc nous allons nous occuper maintenant de la languette de bas de trousse. Donc je viens prendre ma languette et je viens en marquer le centre. Ce centre, il va m'aider à bien la placer sur mon ouvrage. Donc je fais la même chose sur les deux languettes. Voilà, je vous montre, on peut aussi le tracer en fonction de votre option préférée.
Donc pour placer cette languette, je vous conseille de sortir la doublure, ce sera beaucoup plus facile. Et aussi pour coudre, ce sera plus simple et vous serez sûr de ne pas coudre la doublure en même temps. Je vais venir me placer sur le côté de la trousse, donc celui de votre choix, d'accord ? De toute façon, on va faire la même chose sur les deux languettes. Et je viens ouvrir la marge de couture. Donc ça, c'est important pour limiter les épaisseurs à coudre par la suite. Moi, je vais placer une petite pince. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Je vais attraper ma petite languette. Donc le centre est marqué. Et je vais le placer au niveau de la couture d'assemblage du côté. Donc là, prenez votre temps aussi, c'est important de bien centrer votre languette, sinon elle ne va pas être très droite une fois cousue. Et je vais venir placer, donc en bas de la languette, je vais venir placer deux pinces pour la maintenir en place. Et ce que vous pouvez éventuellement faire, donc là on va faire une petite couture de maintien. Et pour le haut de la languette, moi je vous conseille, comme on va coudre ici au ras du passant, d'utiliser du masking tape, c'est très bien. Ça tiendra bien en place. Donc, je retire la tablette de ma machine. Je veux pouvoir insérer mon ouvrage autour du bras libre. Et voilà. Donc, je viens positionner l'ouvrage sous le pied. Au bord. Et je vais faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord. Donc, je décale mon aiguille. Voilà. Alors désolé, la netteté, elle s'est pas faite au bon endroit, mais je pense que vous voyez quand même ce qui se passe. Donc là, je viens faire ma couture de maintien au bord de la pièce, et vous avez vu, j'ai placé mon petit masking tape, et je vais venir ici au ras du passant. Donc pour ça, je vous conseille de changer de pied, c'est mieux, et je vais utiliser un pied pose-fermeture, qui va me permettre de venir vraiment au plus près du passant. Donc l'idéal, c'est de repasser sur la couture que vous aviez réalisée aux premières étapes, aux préparations de languettes. Donc je me place. Et j'essaye de décaler l'aiguille pour que ça tombe pile sur la couture précédente. Alors attention au passant, c'est-à-dire que si vous venez taper dans le passant avec l'aiguille, elle risque de casser. Donc une étape un peu délicate, on allonge le point, on fait bien votre point avant-arrière pour bien sécuriser la couture et vous pouvez passer plusieurs fois, vous voyez moi j'avance, je recule parce que c'est un endroit qui va un peu travailler sur l'ouvrage, on a la languette qui va s'insérer dedans et tirer sur le passant, donc ce sera dommage qu'elle se découse. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc là mes pièces de passant elles sont en place, mes pièces de languette basses. Et donc maintenant je suis prête pour assembler la totalité de mon ouvrage. Je repasse mon ouvrage sur l'envers et cette fois-ci je conserve la partie doublure à l'extérieur de la trousse parce que ce qui m'intéresse là c'est de venir travailler au bord de la partie extérieure, vous voyez qui est vers le bas, et je vérifie que ma fermeture est ouverte. Ça c'est important. Nous allons passer maintenant à l'assemblage du fond de trousse. Donc je vais insérer mon fond de trousse qui se trouve sur l'endroit, à l'intérieur de mon ouvrage qui est sur l'envers. Je vais l'insérer du côté de la partie extérieure. Et je vais venir faire correspondre les coutures d'assemblage des côtés. Donc je vérifie que la marge de couture du côté du fond de trousse se trouve en face à face avec la marge de couture de côté de partie extérieure. Donc vous avez la languette entre les deux, c'est normal. Et donc, je vais placer d'abord les côtés et ensuite, je vais venir répartir l'ampleur du fond de trousse. Donc, pour qu'il se place correctement, vous voyez, j'hésite pas à bouger la matière entre mes doigts et surtout à l'incurver vers l'extérieur. Normalement, ça va se placer correctement si vous avez bien respecté les marges de couture. Là, je vais venir maintenant faire une couture d'assemblage au point droit à 1 cm du bord. Donc mettez plein de pinces, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est toujours un conseil que je vous donne. Et moi je vais commencer ma couture sur le côté. Pourquoi? Parce que si je crée en fait du pli, au fur et à mesure où je vais avancer ma couture sur mon ouvrage, je préfère qu'elle se retrouve sur le côté de la trousse qu'en plein milieu devant ou derrière. Donc je démarre ma couture au niveau de la marge de couture de la partie extérieure. Je reste bien au bord et je fais très attention à chaque marge de couture, d'accord, ne vérifier qu'elle est bien ouverte ou bien plaquée. Donc j'y vais doucement. Normalement à cette étape vous allez coudre au ras de l'entoilage du fond de trousse, mais là vous ne pouvez pas le voir parce que c'est plus facile de coudre de ce côté, c'est pour ça
que je me suis placée comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que la matière n'avance pas bien, vous plantez l'aiguille. Ça vous permet ensuite de tirer l'ouvrage sans perdre vos points. Donc on y va tranquillement. Vous voyez, hop, je m'arrête, j'hésite pas à remettre au niveau de la marge de couture correctement. Donc cette couture, elle est importante. Donc on y va doucement. Je sais que j'arrête pas de vous dire que les coutures sont importantes, mais la qualité de vos finitions va donner un ouvrage joli. Donc voilà, mon fond de trousse est en place. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier ce que ça donne. Il faut toujours vérifier ses coutures. Donc je retourne mon ouvrage sur l'endroit au travers de la fermeture et je vais ressortir le fond de trousse. À cette étape, n'hésitez pas à rentrer votre main dans votre ouvrage pour bien ressortir les petits angles de la trousse, bien tirer partout pour bien reformer la trousse. Donc là, vous voyez que ma couture, elle semble correcte. Donc ça me convient. Alors, la couture suivante, elle n'est pas obligatoire. Vous aurez de plus jolies finitions si vous la faites, mais voilà, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Donc je vais réinsérer une nouvelle fois mon ouvrage autour du bras libre. Donc là, il y a la fermeture qui me gêne, tout ça, il faut que je me mette bien. Et je vais venir surpiquer le fond de trousse. Donc deux options. Soit vous surpiquez sur le simili, c'est ce que je vais faire, soit vous surpiquez sur le haut de trousse. Si vous passez sur le haut de trousse, il faut savoir que vous devrez passer l'épaisseur des passepoils et des languettes. Si vous passez sur le bas de trousse, c'est du simili, donc il y a une prise de risque quand même. D'accord? Donc vraiment, c'est un choix personnel. En tout cas, là, moi je vais vous montrer, je couds sur le fond de trousse. Vous devez plaquer la marge de couture d'assemblage du fond de trousse au dos de la partie que vous surpiquez. D'accord? Donc c'est ce que je suis en train de faire là avec mes mains. Au fur et à mesure que j'avance, je viens plaquer la marge de couture à l'endroit où je vais coudre. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, comme moi, faites des pauses, plantez l'aiguille pour vérifier que l'ouvrage y coulisse bien. Et je vous conseille pour cette couture d'essayer quand même d'assortir le coloris du fil au coloris du simili, si comme moi vous cousez sur le simili, parce qu'on n'est jamais à l'abri de dévier un petit peu quand on fait une couture de la sorte. Quand j'arrive au point de départ, mon petit point arrière, et voilà, ma trousse est surpiquée. Voici le résultat obtenu et nous allons passer maintenant à la fermeture de la doublure, c'est la dernière étape. Donc je retourne une nouvelle fois mon ouvrage sur l'envers parce que je veux retourner à l'étape de fermeture de la doublure. Voilà, donc je me retrouve comme ceci et je vais venir bien aligner les deux pièces de doublure endroit contre endroit. Donc je vais placer des pinces sur le bas de ma pièce mais également sur les côtés. Parce que rappelez-vous, les côtés de la doublure ne sont pas fermés. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour ces étapes, à bien aligner toutes les pièces. Voilà, vous pouvez aussi repasser un peu l'ouvrage, hein, chose que j'ai pas faite. Je vais venir faire des petits repères au centre de la doublure. Alors, moi je vous conseille de garder environ 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner votre ouvrage. Donc ça, les 10 cm, c'est une indication que je vous donne pour la taille 2, d'accord? Si vous faites des plus grandes tailles, éventuellement, vous pouvez laisser un peu plus. Donc là, je vais venir prolonger les coutures des côtés, qui sont à 1 cm du bord, et je vais venir coudre aussi sur les deux petits côtés de la doublure jusqu'au repère. Donc je replace mon pied, j'essaye de piquer dans la couture réalisée précédemment et je fais un petit point avant-arrière pour sécuriser mon point et c'est parti. Donc je viens prolonger la couture de cette doublure jusqu'au bout. Alors on essaye de ne pas faire de plis. Voilà. Et au bout je fais un petit point avant-arrière parce que je vais fermer l'angle mais pas tout de suite. Donc il faut sécuriser cette couture. Sur le bas, je pars de l'angle. Et je viens coudre jusqu'au repère. Alors j'ai conscience que c'est pas beaucoup, mais en même temps il faut pas coudre trop loin, sinon vous aurez du mal à retourner votre ouvrage par la suite. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et jusqu'à l'extrémité. Voilà. Je ferme le dernier côté. Alors là, je pars du bas vers le haut. Personnellement, je vous conseille plutôt de partir du haut vers le bas,
Ça, je m'en suis rendu compte en cousant l'ouvrage, ça vous évitera de faire du pli ou du décalage. Voilà. Donc voici le résultat obtenu et maintenant on n'a plus qu'à fermer les angles, donc c'est exactement de la même manière pour le fond de trousse. On va venir ouvrir la marge de couture, alors idéalement vous mettez un petit coup de fer à repasser, ce serait mieux. Et je viens ouvrir la marge de couture du côté et je les fais correspondre l'une en face de l'autre. Voilà, je vais placer ma pince, même plusieurs, pour maintenir l'angle en place et on fera exactement la même chose de l'autre côté de la pièce aussi. Une dernière pince et on y va. Donc, une fois que vous avez placé le premier angle, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. J'insiste sur l'ouverture des marges de couture, hein, mais ça vous aide à bien viser, vous voyez, à être sûr que vous êtes bien en face au milieu, et ça réduit les épaisseurs à coudre par la suite. Donc c'est quand même bien de le faire. Voilà. Donc je vais coudre au point droit à 1 cm du bord. Vous voyez qu'on voit des traits de couture. Pour être très honnête, j'ai décousu mon ouvrage pour retourner ces étapes, parce que simplement, mes images étaient floues. Donc vous étonnez pas, si vous voyez des petits traits, c'est normal. Donc je viens remettre ma table. Et là, pour être à plat, c'est plus facile, je trouve. Et je viens coudre au point droit, donc à 1 cm du bord. Exactement de la même manière que pour toutes les autres pièces. Je vais prendre mon temps pour bien tout aligner. C'est parti. Quand je passe sur la marge, je la maintiens ouverte. On pense toujours aux finitions, c'est important. Voilà, et vous faites la même chose sur les deux angles. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à retourner. Alors, j'ai pas cranté les angles, vous pouvez si vous voulez. Mais comme le tissu est entoilé, je me dis que c'est pas forcément la peine. Moi, j'ai un peu accéléré ces étapes hein, pour vous épargner la... Voilà, il faut prendre votre temps, en tout cas, pour bien tout passer par l'extérieur. Et là, je viens ressortir les petits angles du fond de trousse avec les doigts pour avoir quelque chose de joli. Donc là, on a presque fini. Hein. Il nous reste une dernière couture et on pourra éteindre la machine. Donc là, je suis dans le fond de la doublure. Donc vous voyez, je replace bien tout correctement. Pensez à bien sortir les angles. Je vais venir réaliser un rentré, c'est-à-dire que je vais replier l'extrémité, le bord franc du tissu, envers contre envers sur environ 1 cm. Donc, vous pouvez très bien le tracer si vous voulez ou faire comme ça. Je mets des pinces et je fais la même chose de l'autre côté. Idéalement, mettez un petit coup de fer à repasser, ce sera quand même mieux fini. Et je viens faire correspondre mes replis l'un en face de l'autre. Donc j'essaye de bien tout placer pour que ça se place facilement. Et je vais faire ça sur toute la partie ouverte de la doublure. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire pour fermer la doublure, vous avez deux options. Soit vous faites une couture à la main, soit vous faites une couture à la machine. Donc moi, j'ai opté pour l'option machine, vous en doutez. Mais dans le tuto, je vous ai mis un lien vers un tutoriel d'aide pour faire une couture coulée invisible à la main. Donc là, j'ai un coudre au plus près du bord. Je vous dirais 0,5, mais moi, j'ai cousu à moins. Hein. J'ai aura vraiment de la partie ouverte. Je trouve ça plus joli. Et n'hésitez pas à allonger le point, parce que vous avez quand même 4 épaisseurs à passer. Donc voici le rendu, ma doublure est fermée, donc j'ai plus qu'à la remettre à l'intérieur de la trousse. Donc là, notre ouvrage est presque terminé, il va nous manquer que les parties de la languette. Donc ça vous donne ceci à l'intérieur, avec ma petite poche plaquée. Voilà, donc ma trousse, la phase de couture est terminée. On va se placer sur un côté de trousse et on va venir fermer la fermeture pour bien tendre les languettes. Donc à cette étape, je vais placer la languette de haute trousse du haut vers le bas, d'accord, et je vais venir la replier contre elle-même. Donc je viens prendre en fait la pièce de passant en sandwich entre les deux pièces. Soit vous montez la languette jusqu'en haut, soit vous arrêtez un peu avant. Moi je trouve ça plus joli un petit peu avant, ça c'est vraiment une histoire de goût.
Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je mets mes pinces. Donc, à cette étape, je vais venir marquer un repère, d'accord? Donc, mon repère, je vais le placer à peu près au centre de la languette et à environ 1,3 cm du haut. Après, c'est une histoire de goût, hein. Vous pouvez monter ou descendre, faites comme vous voulez. Mais je trouve qu'à cet endroit, c'est pas mal. Donc, je marque un repère, je vérifie qu'il est bien centré. Vous, ce sera plus précis, parce que moi, quand je filme ces étapes, je regarde dans la caméra, donc je ne peux pas faire quelque chose de vraiment précis. Et je vais venir avec une pince à percer, et je ne traverse que la languette. Attention, je ne traverse pas la trousse. Donc je viens sur le repère, et je viens faire un trou sur les deux épaisseurs de languette en même temps. Ça m'évite d'avoir à reporter deux repères, et là, au moins, je suis sûre que les trous sont face à face. Ça vous donne ceci. Et je vais venir poser des pressions en plastique, donc sur le bas de la languette. Donc là, je suis sur le vision en haut de la trousse, d'accord? Donc je vais placer d'abord en haut de la languette la pression femelle. Donc là, vous avez besoin d'une pince, bien évidemment. Si vous avez besoin d'un tuto plus complet sur comment poser des pressions en plastique, vous avez un lien dans le tuto hein, du patron. Je remets ma languette, moi j'aime bien être sûre de ce que je fais. Et je vais venir placer en face la pression mâle pour qu'elles se clipsent ensemble. Et je la fixe en place avec l'aide de ma pince. Voilà, ce sont les dernières étapes. Je vérifie que tout va bien. Parfait. Voilà, ma languette, elle est bien en place. Donc je vous invite à faire la même chose sur l'autre côté. Exactement les mêmes étapes. Et ça vous donne ceci. Voilà. Eh bien, félicitations, votre trousse ébène est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la confectionner en pas à pas.